oui, j'ai toujours la voix en vrac, les allergies ne partent pas. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes aujourd'hui jeudi, donc il est à peu près 9h, je viens d'emmener les enfants à l'école et je vais démarrer ma journée. Donc là je vais nettoyer vite fait ma cuisine, il n'y a pas grand chose à faire, je l'avais faite hier, pareil pour le salon, je vais remettre un peu les plaids du canapé, passer l'aspirateur, ah si j'ai une panière de linge à plier quand même, et ensuite je vais attaquer là-haut puisque malgré sa punition d'hier, Elsa n'a pas rangé, enfin elle n'a pas eu le temps de tout faire, en même temps il y avait vraiment de la taille. Donc je vais aller là-haut, si j'ai le temps je vais essayer de faire ma salle de bain aussi parce que j'ai vu que ma baignoire n'était pas très propre et j'aime pas trop ça. Et donc je m'assieds. Hein. Du coup, ça va être mon programme de la matinée, mais je voulais en fait revenir sur un point parce que j'ai eu des commentaires en fait sur les vlogs précédents et ça m'a ramené en fait à l'idée que le vlog de lundi n'ayant pas été publié, vous avez manqué certaines informations. Donc c'est vrai que dans le vlog de mardi, je vous présente tout, mon organisation de linge, etc. Je vous parle de refaire de la peinture dans la chambre des gars, de changer les papiers, de parler, machin. Enfin, alors que il y a une semaine, je vous parlais de déménager, donc vous n'avez pas dû trop comprendre ce qui se passait. Donc je vais vous donner l'information, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. En fait, c'est bien aussi pour les personnes qui viennent de rejoindre la chaîne. Comme ça, ça remet un petit peu les choses pour tout le monde. Du coup, Alors, le rappel des faits pour les personnes qui viennent de rejoindre la chaîne, c'est que ma fille aînée Anaïs, puisque je dis toujours que j'ai 5 enfants, mais je n'en présente que 4 dans les vidéos, c'est que ma fille Anaïs, en fait, qui est ma fille aînée et qui est issue d'une précédente union, elle vit chez son papa. C'est un choix qu'elle a fait en septembre 2017 parce que son papa lui proposait de lui payer une école de coiffure que moi je ne pouvais pas lui payer. 370 € par mois, personnellement, je ne pouvais pas me permettre, sachant que je ne travaille pas. Voilà, donc son père, évidemment, il a profité de l'occasion. Lui, ça faisait longtemps qu'il attendait qu'elle vienne vivre avec lui. C'est tout à fait normal, étant donné que je pense qu'elle lui manquait aussi. Du coup, il a sauté sur l'occasion. Lui, il pouvait lui payer son école, donc il lui a payé, mais à Quimper. Donc du coup, elle est allée habiter chez lui depuis septembre 2017, sauf que en fait, en décembre 2017, elle m'appelait déjà en pleurant, en me disant « j'aurais pas dû partir, tu me manques trop, je le vis mal, ma vie c'est chez toi, c'est pas ici, etc. » Enfin bref. Je me suis dit, ma pauvre chérie, 2 années, ça va être super long, quoi. Et en plus, on l'avait prévenu qu'elle ne pourrait pas revenir avant parce qu'elle se lançait dans un CAP, donc il fallait qu'elle passe son diplôme avant de revenir, parce que sinon, ça mettait ses études en péril. Du coup, elle est restée là-bas, mais voilà, depuis le mois de février 2018, elle m'avait dit, c'est bon, j'ai annoncé à papa que je revenais vivre chez toi après mon CAP. Je lui dis, écoute, tant mieux, moi j'étais ravie, enfin vraiment trop top quoi. Et puis plus le temps avançait, en fait, nous, de notre côté, on a fait notre vie. Moi j'ai eu mes problèmes de main qui ont fait que j'ai eu en fait, j'ai ressenti le besoin de m'installer dans un logement de plein pied. Or, avant, on était dans un appartement au premier étage. Et comme j'avais des gros problèmes de main, je ne pouvais plus monter mes courses, etc. Mais bon, ça, je crois que j'en ai déjà parlé. Je portais mes sacs de courses sur mes plis de coude, en fait, parce que je ne pouvais plus utiliser mes mains tellement j'avais mal. Et donc, du coup, vivre en premier étage, c'était vraiment un supplice. Donc, on a cherché à déménager en rez-de-chaussée, ce qu'on est aujourd'hui. Mais on est sur une toute petite commune. En fait, on a quitté la ville pour partir à la campagne. Et ce que je n'avais absolument pas anticipé, c'est que je me suis installée dans la seule commune qui ne dispose pas des bus de ligne. C'est-à-dire des bus qui emmènent dans la ville la plus proche. Donc, en étant ici, Anaïs ne pouvait pas poursuivre ses études, puisque comme elle est en apprentissage, elle sera en apprentissage à partir de septembre, du coup, elle n'a pas un rythme scolaire, donc elle ne peut pas emprunter les bus scolaires, et vu qu'il n'y a pas de bus de ligne, elle était bloquée. Donc j'ai fait une demande de logement pour aller m'installer en ville directement. Comme
puis mes problèmes de main, le fait de retourner en appartement, ça m'aurait moins contrainte. Et du coup, c'était le projet. Donc, on devait déménager jusqu'à ce week-end. Où elle m'a finalement annoncé qu'elle ne reviendra pas. Elle reste vivre chez ses parents. Elle est inquiète. Enfin, chez ses parents. N'importe quoi. Elle reste vivre chez son papa, pardon. Elle est incapable de me donner une raison claire. Moi, je pense que c'est parce que là-bas, elle a un petit copain. Ils sont ensemble depuis plusieurs mois déjà. Donc, je pense, moi, que c'est pour ça. Maintenant, j'en ai pas la certitude, mais c'est la raison qui me paraît la plus plausible, parce que toutes les autres raisons qu'elle me donne, personnellement, enfin, elle me dit oui, mais là, je suis en stress, parce qu'il faut que je trouve un patron là-bas, alors que je suis ici. Mais enfin, concrètement, si elle me dit qu'elle revient l'année prochaine, mais l'année prochaine, ça sera le même problème, donc je pense qu'elle ne reviendra pas. Maintenant, j'avoue que je lui en veux un peu moins aujourd'hui. Dimanche, j'ai eu un peu de mal à digérer la pastille, j'avoue. C'est un peu dur à accepter quand même quand on. Quand on révolutionne sa vie, et concrètement j'ai révolutionné celle des petits, parce que quand je leur ai dit qu'on allait déménager, le fait de quitter l'école, de quitter les copains, de tout ça, ça leur a foutu une claque quand même, hein. Et tout ça, c'était pour Anaïs. Donc en fait, tout le monde était prêt à révolutionner sa vie pour elle. Et elle, non, elle fait sa princesse, je viens, après je viens plus. Donc bon, j'avoue que j'étais un petit peu en colère. Donc bon, ça commence à passer. Mais voilà, du coup, sachant que nous n'avons plus besoin des bus de ligne pour Anaïs, la deuxième raison qui me poussait à déménager, c'était que je voulais inscrire Elsa au conservatoire de musique, puisque il faut savoir que pour l'école de musique, je paye actuellement 500 euros l'année, hors location d'instruments, et qu'au conservatoire à Cholet, c'est 180 euros l'année. Donc 180 contre 500. Bah, j'ai envie de dire, c'est pas négligeable. Donc, moi, je voulais inscrire Elsa au conservatoire de musique à Cholet, mais à 5 minutes près, je ne fais pas partie de l'agglomération de Cholet. Je suis vraiment pas de bol dans cette commune. Finalement, c'est une commune qui nous a toujours attirés depuis qu'on est arrivé dans cette région, et finalement, maintenant qu'on y est, on se rend compte que c'est un peu la cata. À part son école qui est au top, c'est un peu la cata de vivre ici. Bref, on a des super parcs aussi, quand même. Mais du coup, Eric, en fait, vient de déménager et lui, il s'est installé dans une commune agglomérante à Cholet. Donc, il a accès au conservatoire de musique. Du coup, ce qu'on s'est dit, c'est que c'est lui qui va les inscrire, les enfants, avec son adresse, du coup. Alors, je dis les enfants parce que normalement, Com devait commencer le piano en septembre. Mais il m'a annoncé ce week-end qu'il avait changé d'avis. Donc je vais voir, je ne sais pas s'il va le faire vraiment ou pas. En tout cas, pour l'instant, c'est plus d'actualité. Du coup, bon, en tout cas, pour Elsa, ça l'est toujours. Donc on fera en sorte qu'elle puisse accéder au conservatoire de Cholet. Mais ça veut dire que nous, du coup, on a moins d'urgence à déménager. J'avoue que ça m'arrange un petit peu parce que, comme je l'avais déjà dit, financièrement, si on m'avait proposé un logement là aujourd'hui, je n'avais pas les moyens de payer le dépôt de garantie. Donc c'était compliqué. Pour l'instant, la CAF ne me verse pas la totalité de mes revenus, donc je suis un petit peu serrée en ce moment. En fait, pour vous expliquer un petit peu la situation, j'ai été en arrêt maladie à cause de mes mains du mois de novembre jusqu'au mois de mars. Du coup, Pôle emploi m'avait résilié. Quand je me suis réinscrite à Pôle emploi, en fait, suite à la séparation, hein, c'est pas plus compliqué que ça. Je me suis réinscrite au Pôle emploi et du coup, dans les mêmes temps à peu près, j'ai fait une demande de RSA à la CAF puisque je me retrouve toute seule avec mes enfants. Et comme j'attends le mois de septembre en fait pour reprendre une activité parce que Marceau ne va pas à l'école l'après-midi pour l'instant, et donc si je retourne. Alors déjà, Pôle emploi ne me proposera aucun poste. Ils ont été clairs avec moi. Ils veulent que je fasse une formation. Sauf qu'une formation, c'est payer 450 euros. Et que dans les 450 euros, je dois payer la périscolaire, la cantine, le centre de loisirs et donc accessoirement une nourrice pour Marceau si je devais retourner travailler aujourd'hui. Donc c'est juste hors de question. Donc moi, j'attends le mois de septembre et je rentrerai en formation au mois de septembre. Mais j'aurai quand même la cantine, le péri. Et les centres de loisirs à payer. Donc ça me fait un peu peur.
Mais on verra. Mais en tout cas, en attendant, du coup, je suis au RSA et la CAF, en fait, ne me verse pas le RSA pour l'instant parce que quand j'ai fait ma déclaration de ressources, le RSA, en fait, il faut déclarer ses ressources tous les 3 mois. Et quand j'ai fait ma première déclaration, du coup, j'ai déclaré 2 mois, d'arrêt maladie où je touchais le double de ce que je gagne au Pôle emploi. Et donc, du coup, ils ont estimé que je n'avais pas de droit au RSA. Donc, pendant 3 mois, je n'ai pas de droit au RSA. Donc, du coup, je vis super serré. À partir du mois de juin, j'aurai mes droits au RSA et à la prime d'activité. Donc, j'ai recalculé parce que mon budget, il est prévisionnel sur toute l'année. Donc, j'ai fait une simulation. Les simulations, en général, quand je les fais sur la CAF, c'est toujours un petit peu plus élevé que ce que moi j'avais simulé en ligne, en fait. Donc, je pars sur la simulation en ligne et je verrai bien ce qu'ils me donneront à ce moment-là. Mais en tout cas, par rapport à la simulation, ça va le faire. Je vais même pouvoir commencer à réépargner. Et ça, c'est trop top. Voilà, donc je voulais du coup rééclaircir les choses par rapport au fait que je parle de réorganisation dans la maison, puisque oui, je ne vais pas du coup déménager tout de suite. Je l'envisage toujours, puisque effectivement, me rapprocher de Cholet, pardon, c'est le but de la démarche. Là, je pense partir sur une formation qui du coup n'est pas à Cholet. En fait, je suis partagée parce que j'ai trouvé une formation sur Cholet au Greta, donc qui est de la comptabilité pure et dure. Donc, en fait, c'est pour passer un titre, enfin obtenir un titre professionnel équivalent à un BTS compta. Et autrement, il y a une autre formation, et celle-là me tente plus parce que ça m'ouvre beaucoup plus d'horizons, qui en fait est une formation administrative, comptable, commerciale, ressources humaines. Et du coup, je me dis, cette formation-là, bah, elle m'ouvre un champ plus large pour retrouver un emploi, quoi. Parce que moi, n'ayant pas travaillé depuis 8 ans, autant vous dire que c'est la galère pour retrouver un emploi. Donc, plus j'aurai une formation large, plus facile ce sera de retrouver, je pense, repartir sur de l'intérim au début, mais ce sera toujours ça. Et du coup, ça sera beaucoup plus facile en intérim de retrouver quelque chose que... voilà. Donc, je m'apprête à prendre contact avec cet établissement, mais je voudrais d'abord prendre contact avec le Pôle emploi pour savoir s'ils financent cette formation et à quelle hauteur je serai indemnisée, même si j'avoue que je pense connaître déjà la réponse. Il va falloir que... Je sais que les premiers mois, je peux avoir une aide de Pôle emploi pour la garde de mes enfants, enfin, les frais en tout cas. Mais je ne sais pas ce que ça prend en charge et jusqu'à quelle hauteur. Donc, il faut que je voie. En tout cas, je suis bien contente d'avoir ce projet de reprise d'activité parce que j'en ai un petit peu marre de rester à la maison, en fait, même si j'avoue que je suis toujours active, hein, mais je me dis qu'au moins, il n'y aura personne à la maison la journée et donc, bah, quand je rentrerai le soir, la maison sera propre. Donc, j'aurai certainement moins de ménage à faire, j'espère en tout cas. Et puis même la journée de revoir du monde, de faire des rencontres, puis d'avoir un emploi, de se sentir utile et productive, ça va me faire énormément de bien. Donc voilà. Eh bien, je vous laisse sur ces quelques mots. Je vous reprends ce midi, je pense, avec les enfants. Et je vais m'activer. Hey, les amis, on vous a un peu oublié aujourd'hui. J'ai complètement oublié de reprendre la caméra pendant la pause déjeuner. Donc bah, là, on a fini de manger, on repart à l'école avec les oublis que la maîtresse m'a rappelé. J'ai discuté un petit peu avec la maîtresse ce midi par rapport à l'éventuelle précocité de Adam. Et bon, elle me dit qu'elle n'est pas très qualifiée pour répondre à cette attente, peut-être plus l'autre maîtresse, donc je vais en discuter avec l'autre maîtresse, mais quoi qu'il en soit, on est d'accord sur un point, c'est que effectivement, Adam, il faudrait qu'il soit précoce ou pas, il faudrait qu'il consulte un psychologue. Donc voilà, je pense que la conclusion, elle est là. Donc voilà, bon ben je retourne à l'école avec les enfants. Marceau est à la sieste. Moi, je suis avec maman. Moi, je suis avec Momo. Et puis bah, cet après-midi, j'avoue, je sais pas trop ce que je vais faire. J'ai fait pas mal de ménage ce matin. J'ai pas fini les chambres parce que il y a une taille en fait, c'est impressionnant. En fait, il y a énormément d'affaires à Elsa. Hop là, j'ai un alarme. Il y a énormément d'affaires à Elsa, donc je vais la laisser faire parce que moi, il y en a tellement que je foutrais tout à la poubelle. Donc, je vais la laisser gérer ça ce soir.
On est jeudi, il n'y a pas musique, il n'y a pas. Voilà, donc elle va faire ça tranquillement. On est jeudi. C'est ce que je dis, on est jeudi, donc ce soir t'as pas musique, t'as pas. Donc, voilà, donc tu vas faire tes leçons correctement ce soir et ensuite tu attaqueras. Ok. Quelle réjouissance. Bah, c'est juste à lui. Ouais, il y a beaucoup de vent. Dans la vidéo juste avant, vous avez vu le soleil qu'on avait ? Je repars de l'école et il pleut. Catastrophique. Bon, comment vous dire que je suis rentrée juste à temps ? C'est une catastrophe. Bon, je ferme parce que je me prends la pluie dans la tronche. Non, mais sérieusement ? Hé, les amis, je vous reprends. Ça y est, le soleil est revenu. La luminosité est bizarre. Je voulais vous parler, en fait, avant que les enfants rentrent de l'école, puisqu'il est quand même 4h30, donc ils ne vont pas tarder. Exceptionnellement, je ne vais pas les chercher parce que Adam reste en fait aux APC, c'est-à-dire aux aides personnalisées, ce soir et lundi. Et du coup, Elsa et Com sont assez grands pour rentrer tout seuls, donc je leur ai donné l'autorisation de rentrer seuls ce soir et lundi. Mais du coup, avant qu'ils rentrent, je voulais vous parler, parce que mardi, en fait, je vous ai montré un petit peu l'installation de ma buanderie. Je m'emballe toujours, hein, de mon garage, de mes machines, etc. Et je vous ai expliqué ce que je voulais faire, en fait. Sauf que, en fait, dans mon explication, j'aimerais bien que tu ramasses un petit peu, Marceau, ce que tu as mis par terre. Mais pourquoi ? Parce que là, tu as mis trop de bazar. Mais pourquoi ? Voilà, Marceau joue derrière moi. C'est bien. Mais voilà ce qu'il fait à lui tout seul. Donc j'aimerais bien que tu ranges, s'il te plaît. Mais pourquoi j'ai... Parce que c'est le bazar et je ne veux pas que ça reste comme ça. Mais pourquoi j'ai... Surtout que les serviettes, là, elles étaient propres en plus. Pourquoi ? Donc tu les remets dans le panier. Donc, pour en revenir à mon installation, je vous ai montré comment c'était actuellement. Je vous ai expliqué ce que je voulais faire. Et je vous ai dit que j'allais mettre un plan de travail au-dessus de mes machines pour poser des paniers dessus. Et en fait, quand je vous en ai parlé, c'était pour mettre des paniers dans ce style-là, en fait. Enfin, celui qui est blindé de linge. Sauf que finalement, j'ai vu passer sur Instagram ce matin, si vous ne la suivez pas, je vous conseille de le faire, c'est Ma Petite Organisation. Donc, c'est un compte Insta que je suis depuis quelques temps et qui a des astuces. Mais c'est une mine d'or, ce compte. Hein. Et du coup, là, j'ai vu en fait qu'elle avait acheté chez Ikea des bacs qui normalement servent pour le recyclage. Mais concrètement, ça peut tout à fait servir pour le linge. Et en l'occurrence, chez moi, ça servira pour le linge. Donc, je vais prochainement aller chez Ikea et je vais essayer en fait de me trouver ces bacs. Alors, ils existent en... 37 litres et 62 litres, je crois. Enfin, ça s'appelle, si je ne me trompe pas, ça s'appelle Stratero, je crois. Marceau, tu fais du bruit. Ça s'appelle Stratero, je crois. Je vais essayer de regarder en même temps que je vous parle. Et en fait, c'est des bacs qui ne sont pas hyper chers. Les petits doivent être à 7,99, je crois. Les grands sont à 9,99. Donc, je me dis, je ne vais pas me priver. Du coup... non, ça doit pas être ça. Je me suis fait avoir tout à l'heure, je m'étais trompée de nom aussi. Et en fait, c'est des bacs qui se ferment. Enfin, il y a une ouverture. Je vais les, enfin, si je les trouve à l'écran, je vais vous les montrer. Mais je les trouve super pratiques. Je les trouve pas chers. Moi, il m'en faut trois. Ben voilà. Ah non, c'est Sortera. Pardon. Sortera. Donc, je vais vous montrer. C'est ça, en fait. Alors, vous connaissez peut-être déjà, hein, mais moi, je ne connaissais pas. Et j'avoue que le concept m'a quand même pas mal séduite parce que non, c'est des 60 litres. Donc, ça doit être 30 litres et 60 litres. Donc, moi, évidemment, je prendrai les grands puisque nous sommes nombreux. Enfin, je verrai en magasin déjà ce que donne le gabarit du bac, mais je pense que ce sera des 60. Du coup, je vais en acheter 3 puisque moi, je trie mon linge en 3 bacs, couleur claire, couleur foncée et les blancs. Moi, j'ai pas de délicat parce qu'en fait, j'achète quasiment tout le temps les mêmes matières. C'est du synthétique, donc je lave tout, voilà. Et du coup, en fait, sur mon plan de travail, je poserai des bacs comme ça. Et je me dis, pour les enfants, ça va être carrément mieux
ça fera beaucoup plus propre aussi dans le garage. Parce que concrètement, ça reste un garage, quoi. Donc, je vais aller investir là-dedans. Alors, par contre, il y a un truc qui me fait peur, c'est que moi, quand je vais chez Ikea, il y a tout. Il me faut tout, en fait. Tout ce que je vois, j'ai envie de le prendre. Donc, c'est compliqué. Sachant qu'en plus, j'ai pas mal de besoins actuellement. Il va falloir que je sois forte pour ne pas craquer sur des choses inutiles. Malheureusement, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ne seraient pas inutiles. Mais bon, je vais être forte. J'ai confiance en moi. Voilà. Voilà, je voulais juste vous soumettre cette petite astuce parce que je la trouve super bonne. Donc, si vous avez, vous aussi, un dilemme d'organisation de linge, franchement, j'ai trouvé cette astuce au top. Donc, je vous encourage vivement à aller suivre le compte de ma petite organisation parce que vraiment, moi, j'y trouve beaucoup d'idées. Donc, là, nous allons prendre le goûter. J'ai pas fait le pain perdu. Parce que, non, je vous explique pourquoi. Parce que Adam, aujourd'hui, il prend son goûter à l'école. Donc, il n'y a pas de raison que je fasse du pain perdu pour vous, mais pas pour lui. Mais bon, mais on je le ferai demain. Non, mais je le ferai demain, comme ça, on sera tous là. En plus, demain, c'est vendredi, donc on sera tous là au goûter. Et en fait, on va goûter tous ensemble et puis on aura tout le temps qu'on veut parce que c'est vendredi. Donc, ça sera plus facile. Donc voilà, là du coup on va aller prendre un petit goûter. Tu veux bien aller chercher du pain? Je peux pas aller chercher quelques desserts à la... Non, t'emballe pas non plus, je te dis du pain. Des croissants. Du pain. Croissants? Non, j'ai dit du pain. Il me saoule. C'est incroyable d'être aussi exigeant. C'est nul. C'est nul, qu'est-ce qui est nul? On va besoin de prendre des trucs. Non, c'est toi qui es nul parce que t'es exigeant en fait. C'est sympa de peut-être moquer de moi aussi du vélo. Je suis d'accord. Mais je prends un billet 10. Un billet 10? Carrément, j'ai pas de billet 10. Ramène-moi mon porte-monnaie, je sais pas ce que j'ai. Voilà, qu'on va aller nous chercher du pain et on va se faire du pain. Et des non, pas de croissants. Vous êtes souvent. Les croissants, c'est pour le petit déjeuner, je crois. Oui, pourquoi pas des tartes? J'ai l'impression qu'il est encore très énervé ce soir. Il est parti. En tout cas, ça les fait rire, c'est plutôt bien. Bon, du coup, on va prendre notre goûter. Tu vas rien te payer. Voilà, tu vois, il y a un billet de 5, c'est parfait. Non, un billet de 5. C'est ma richesse. Hein. Je suis très très riche. Attends, je regarde. Non, il y a une pièce. Oh, il y a des pièces. Donc, tu vas prendre deux baguettes. Sympa. Voilà. Que ça? Je vais m'acheter quoi avec? Du pain. De baguettes. Sympa. Et j'étais pas censée te faire un cadeau. Hein, Maman, t'as des pièces de 2 euros? Je vais donner. Et bah. Pardon. Ah oui, c'est vrai. La souris, elle devait passer. Ça fait 2 euros. Ah, arrête de me mettre dans l'eau. Mais là, j'ai plus de pièces de 2, je crois. Bah, si, t'en as une. Non, t'es mort. Voilà, la souris est passée. On n'est pas très généreux chez nous, on donne 2 euros. Donc voilà, il va chercher du pain. Mais je pense que je ne vais pas m'éterniser sur la vidéo parce que clairement, c'est le box. Là, je ne reviens pas de l'état d'énervement de Marceau. Bon voilà, on a fini le goûter. Les enfants ont fait leur devoir. J'ai été récupérer Adam. En vélo, il a désobéi, du coup il est puni, donc il fait des lignes. Normalement, il est installé là par terre. Il est parti voir sa sœur, normal. Et moi, je vais me lancer directement à faire le repas, puisqu'il est déjà 18h05. Et puis, dès que ça sera fini, je vais les mettre à table et hop, 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 au lit. J'essaye de les coucher. Non. J'essaye de les coucher assez tôt, comme ça, moi, ça me laisse du temps derrière pour faire d'autres choses. Et ne pas me coucher trop tard moi-même non plus. Voilà. Donc, sur ce. Tu couches à minuit. Oui, ça m'arrive de me coucher à minuit. Donc, sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker,
Et puis, bah, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain.